Estamos en Bry-sur-Marne, a las afueras de París, grabando una belleza nueva. Y antes de partir el programa, me viene a la memoria un poema que estudié cuando niño, que nos hicieron aprender de memoria en el colegio, en la Alianza Francesa. El poema era de Stéphane Mallarmé, Brisa Marina. La carne está triste ahí y he leído todos los libros. Huir, allá huir. Siento que los pájaros están ebrios de ser entre la espuma desconocida y los cielos. Nada, ni los viejos jardines reflejados por los ojos van a contener este corazón que en el mar se sumerge. Nada, ni la claridad desierta de mi lámpara sobre el papel vacío que la blancura defiende. Ni siquiera la joven mujer amamantando su hijo. Yo partiré. Esta mer, balanceando su naturaleza, levanta el ancla para una exótica natura. Stéphane Mallarmé, poesía. Un poeta decisivo del siglo XIX. Et pour parler de la chair qui est triste, des livres, du silence, de l'azur, on va commencer en lisant ce poème que je savais de mémoire quand j'étais élève de l'Alliance française à Santiago, Brise marine de Mallarmé. La chair est triste, hélas, et j'ai lu tous les livres. Fuir, là-bas, fuir, je sens que des oiseaux s'enivrent d'être parmi l'écume inconnue et les cieux. Rien, ni les vieux jardins reflétés par les yeux, ne retiendra ce cœur qui dans la mer se trempe. Ô nuit, ni la clarté déserte de ma lampe sur le vide papier que la blancheur défend, et ni la jeune femme allaitant son enfant, je partirai. Ta mère balançant ta mâture, lève l'ancre pour une exotique nature. Pascal Quignard, bienvenue à une nouvelle beauté. J'ai lu ce poème de Mallarmé pour commencer notre conversation. Je vous remercie d'abandonner le silence et de venir ici à Bry-sur-Marne pour l'émission de ce programme. Merci. Qu'est-ce que vous sentez à partir de ce poème? Ça vous interprète un peu? Ah, c'est un très beau poème. C'est le mot triste que je ne comprends pas associé au mot cher. Mmh. Et dans le cas de Mallarmé, c'est parce qu'il touche à sa sœur qui est morte. Donc la chair a toujours l'ombre de la mort sur elle. Mais le fait de vouloir, de fuir, est un très beau thème et qui n'est pas méprisable et qui n'est pas lâche. Les cerfs dans les forêts fuient sans cesse, farouches, ayant peur et ayant raison d'avoir peur des hommes pour rejoindre la source. Est-ce que vous avez fui du monde, d'une certaine manière? J'ai fui radicalement du monde. Mais vous savez, c'est mal vu, mais les civilisations, l'Inde, le bouddhisme, le taoïsme chez les Chinois, les chrétiens admiraient pendant des siècles ceux qui se séparaient du monde. C'est maintenant qu'il faudrait à tout prix continuer et persévérer à admirer des systèmes sociaux détestables et de devoir à tout prix parler plusieurs heures par jour avec des humains. Moi, je préfère lire. Là, je suis comme Mallarmé, je préfère à tout. Et j'ai lu tous les livres. Vous étiez éditeur à Gallimard et vous avez fui. Comment ça s'est passé? Vous racontez un peu cette expérience à Gallimard comme éditeur, comme lecteur. Ah, il ne se serait agi que de lire que je serais resté lecteur. Uh-huh. Mais le fait de rencontrer des auteurs après les avoir lus, de commenter leurs livres, de juger, c'est surtout le fait de juger. Lire, pour moi, c'est m'abandonner complètement au monde de l'autre. Tandis que juger, c'est rester, comment dire, dans le monde social et dire c'est bien, c'est mal. C'est pas du tout la même chose que lire profondément, lire en jugeant. Je n'aurais pas pu être critique. Je ne peux être que lecteur, qu'écrivain lecteur. Lire, c'est errer, vous dites. Il y a dans lire une attente qui ne cherche pas à aboutir. C'est quoi cette idée de l'errance, le lecteur comme celui qui
Ça veut dire que tout le monde ne peut pas lire et qu'il ne faut pas forcer tous les enfants du monde à lire. Mmh. Ça veut dire que celui qui prend un livre s'expose au risque de devoir être soumis à l'émotion, à une page soudain qui fait surgir un événement dramatique, à devoir être déstabilisé. C'est ça. Il y a un péril. Il y a un péril. Il y a un péril. Moi, j'adore ce péril. Je ne sais pas où je vais. Quand on ouvre un livre, on ne sait pas où on va. Mais les gens qui sont fragiles ou qui veulent à tout prix savoir où ils vont, qu'ils ne lisent pas. Alors, quand j'ai lu vos livres, pas tous, ce que j'ai eu la possibilité de lire, il y a toujours derrière... Vous lisez beaucoup, vous êtes un lecteur, vous écrivez beaucoup, mais il y a toujours une espèce de doute sur le fait du langage... Un suspect sur le langage et même sur la littérature, et même sur les livres, mais surtout sur le langage. Quel est ce suspect du langage? Il y a peut-être un paradoxe de fond. Il y aurait un paradoxe si les hommes étaient des individus parlants, comme le disent les dictionnaires. Ouais. Mais c'est faux. Comme le disait Aristote. Et ouais. C'est faux. Quand nous sommes dans le ventre de nos mères, nous ne parlons pas, bien sûr. Quand nous naissons, nous ne parlons pas davantage. Il nous faut 18 mois pour apprendre un tout petit peu à imiter le langage de ceux. Et puis la nuit, quand nous rêvons, nous ne parlons pas. Nous sommes une espèce où le langage est défaillant et sporadique. Or, moi, je veux dans mes livres, en effet, toujours... conserver ce monde plus ancien qui ne parlait pas et où la sensorialité, où le sens du monde était intense. Avant le logos. Avant le logos, il y a une vie avant le logos, la vie de la nature, la vie animale, et une vie vraiment intense qu'on rejoint dans l'amour ou qu'on rejoint dans les rêves. Je voudrais, si c'est possible, que vous lisiez un morceau très beau dans ce sens du petit traité. On va parler de ce livre aussi. C'est la fin. De le ciel, le fleuve, l'océan, les astres. C'est un très beau morceau. C'est vous qui le dites. Oui. Je ne lis pas, le lecteur. Pas jusqu'au bout. L'hypocrite si, lecteur. Je dis jusqu'au bout, non. Lisez. Voilà. Le ciel, le fleuve, l'océan, les astres et la terre sont d'une beauté majestueuse et ils ne parlent pas. Les quatre saisons et leur cortège de plantes, de lumière, de neige, de bêtes et de vêtements se succèdent et ils ne parlent pas. Les membres, les briques, les excréments, les dents, la petite enfance et l'extrême vieillesse, les pétales, les graviers, les yeux et les sexes participent à cette beauté et ils ne parlent pas. Les hommes discutent entre eux, s'adressent aux dieux et formulent des opinions parce qu'ils craignent la beauté atroce. Les paroles des hommes sont de l'eau et du sucre qu'ils mêlent au concentré de l'arak le plus pur. Les œuvres sont les petites cuillères qui servent à mêler l'eau, l'arak et le sucre dans le verre. Le verre, ce sont les villes du monde. Cette mixture délayée, ils la nomment dans leur étrange mixture délayée du nom étrange de langue. C'est beau ça. Alors, mais pourquoi écrire alors? Pourquoi pas le silence, la voie taoïste ou peut-être la voie orientale? Parce qu'il y a une voie gnostique, si j'ose dire, qui fait que pour... Maintenant que nous savons parler, nous ne pouvons pas nous défaire de ce que nous avons acquis comme langue. Et pour effacer cette langue, pour nous déconditionner, il y a cette chose merveilleuse qui sont les livres, à savoir la langue mise au silence. Donc la langue des livres, ce n'est pas la même langue. Ce n'est pas du tout la langue qu'on parle. Ce n'est pas la langue du dialogue que nous avons en ce moment. C'est une langue qu'on prépare, où l'esprit d'escalier fonctionne. On peut réparer, on peut réintroduire du sens et du silence dans chaque mot. On peut retravailler les étymologies des mots qu'on emploie. Le silence, la langue des livres, comment dire, déconditionne, décontextualise et déconditionne la langue orale. Vous dites ici, dans le petit traité, il y a un morceau où vous dites que nous sommes un peu prisonniers de la langue dès qu'on est enfant à l'école. C'est la langue qui se sert de nous et nous sommes esclaves de la langue, comme des petits esclaves. Et je me souviens d'un poème de Rimbaud, Les Assis. Ce sont des gens qui sont assis toujours sur la table, ils lisent dans des bibliothèques. C'est une image terrible du sédentaire qui est... ou l'enfant à l'école qui est dans le... qui est en train de lire, et qui... cette langue qui est un peu notre mère, mais qui est aussi... Notre tyran. Notre tyran. Aussi notre tyran. Oui. Si on ne laisse que la langue en nous,
Nous devenons des phrases, nous devenons... Et c'est un destin comme un autre. Les partisans politiques, ceux qui se vouent vraiment à l'idéologie de leur parti, deviennent des molécules, des phrases complètes, obéissantes, un peu tyrannisées par ce qu'elles disent. Et puis il y a des gens qui veulent en effet fuir cet état-là, et qui se disent il faut redécomposer, comment dire, l'esclavage, il faut désunir cet esclavage, il faut dans ce cas-là peut-être mettre au silence la langue et de nouveau se diriger vers le monde un peu plus silencieux, un peu plus désobéissant, et un peu plus troublé. Et le silence, quelle est la place du silence dans la littérature, et dans ce que vous écrivez? Elle est à la source et elle est à la fin. Le silence des deux côtés nous étreint. C'est vraiment, comment dire, le silence, c'est l'océan. Et bon, il y a un peu de terre, il y a un peu de volcan qui surgit, il y a un peu de cordillère qui surgit. mais profondément, c'est l'océan et le silence. C'est lui notre enveloppe. Alors, vous vous êtes intéressé à l'Orient, au Tao Te King, à Confucius, à Lao Tse. Vous avez fait même des pèlerinages là-bas. Racontez-moi ces pèlerinages, où vous étiez allé. C'est une manière de voyager qui est assez périlleuse et intéressante. Parce que, bon, après qu'on a lu et qu'on admire énormément une œuvre, Moi, je veux aller respirer un peu l'air qui entourait les narines du vieux mort qui a disparu. Mais pour aller dans le lieu où il est enterré, on ne sait pas toujours où il est enterré. Et dans ce cas-là, parfois c'est des lieux très connus et parfois c'est des lieux totalement inconnus. Un de mes auteurs préférés, qui écrit uniquement par parabole et par conte et qui s'appelle Chuang Tzu, quand je suis allé en Chine pour aller sur sa tombe, je me suis retrouvé perdu dans la forêt du Henan, qui est une région où les habitants ne sont pas vêtus comme nous, qui est beaucoup plus primitive. Et là, ça a été un voyage beaucoup plus déroutant, boueux, salissant. Et j'étais très heureux que les lieux merveilleux où il avait vécu se soient décomposés dans une forêt de nouveau humide et sauvage. Vous êtes allé au Japon à chercher Bashu? J'étais sur la tombe de ce voyageur poète merveilleux qu'est Bashu. Et là, oui, c'est une petite ville du Japon. C'est loin de Tokyo. C'est devenu tout près d'une école d'enfants. Il reste un jardin. Et j'ai fait, bien sûr, ce rite japonais très simple qui consiste à arroser la pierre, arroser la stèle, pour que la pierre retrouve ses rides et ses petites vénules. C'est tout. Et c'est le salut qui suffit pour que l'âme de ce mort soit... Ça me réconforte. Qu'est-ce que vous aimez en Bashu? Parce que Bashu, c'est un poète... Ce que j'aime dans Bashu, c'est ce que je cherche dans ce que je fais d'ailleurs, c'est le poète du court-circuit. C'est le poète qui arrive sur une touffe d'herbe et qui aussitôt voit le crâne et l'épée du mort qui a été enterré, qui est tombé au combat 2000 ans plus tôt. C'est celui qui, dans chaque lieu de la nature, voit autre chose, qui fait comme une espèce de reflet ou de court-circuit dans l'histoire du monde. Lui était un pèlerin aussi. Et lui-même... Il a fait des voyages. Son errance était sa lecture. Si moi, ma lecture est l'errance. Ce voyage au bout du monde, son dernier livre s'appelle Le sentier du bout du monde, le voyage au bout du monde comme ça pour atteindre soit l'origine, soit la mort. De même, je crois, j'avais lu, pardonnez-moi, mais faut que vous me disiez, j'avais lu que le mot Chili voulait dire aussi extrémité du temps ou extrémité du monde. C'est ça. Le Chili, c'est la finisterrae, c'est le fin de la terre. C'est proche de Bashu, c'est l'extrémité du monde, c'est le bout du monde. Il y a quelque chose oriental au Chili, vous savez, les Mapuches, les indigènes qu'il y avait avant, la structure de la langue, c'est-à-dire la poétique Mapuche est très semblable à la poétique orientale. C'est notre Orient intérieur. Que les Espagnols n'ont pas bien écouté.
n'ont pas su écouter, c'est ça. Non, mais vaut mieux l'écouter soi-même que de laisser à d'autres le soin d'écouter. Oui. Alors, Bachou, il y a un haïku que je me souviens très bien, c'était par exemple « La lune illumine aussi les voleurs de fleurs ». C'est ça, Bachou. C'est la synthèse, c'est la capacité de dire tout dans un fragment, dans une unité microscopique, non? C'est ça, et c'est le faire ce court-circuit, ça veut dire aussi que même ceux qui coupent les fleurs sont comme les fleurs. Ah, oui, c'est ça. C'est ça qui est derrière. Et cette fleur coupée, qui est dans le monde romain aussi, cueillir chaque jour ou chaque instant du temps comme on coupe une fleur, c'est le même mouvement. Cueille dès aujourd'hui les roses du jardin. Voilà. C'est Ronsard. Ronsard, ça. Et la mort, vous avez dit, je ne sais pas dans quel livre, vous parlez que les écrivains, les artistes n'aiment pas la mort. Ce sont les lutteurs contre la mort. C'est l'ennemi, les ennemis de la mort. Ça peut prendre des formes fantastiques, comme Picasso, comme d'autres, où vraiment cette haine se développe. Mais il y a quelque chose dans l'art qui... pour parler comme les Japonais, qui veut accompagner le printemps, qui n'aime pas l'automne et qui veut accompagner le printemps, qui veut que ça pousse un peu, qui veut ajouter un peu de poussée à la poussée du monde. Ça, je crois que... D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils ajoutent, que les artistes, hélas, ajoutent un peu trop comme ça de livres et d'objets à ce monde qui n'existait pas jusqu'à eux. Mais la mort va vaincre toujours. Dans la mesure où elle gagne toujours, il vaut mieux lutter toujours. Ça n'est pas... Alors, vous avez écrit ces petits traités. Ce livre est un livre spécial. Ces petits traités, vous les avez commencés en 1977, vous avez achevé en 1980, et ils ont été refusés par des éditeurs. Au moment où vous étiez éditeur. Oui. Racontez un peu l'histoire de ces petits traités. C'est quoi ? Ce sont des essais, c'est prose poétique. C'est quoi les petits traités ? Les petits traités, c'est le fait d'associer par des fragments, un petit peu, si vous voulez, pardonnez-moi, je suis musicien, un peu comme les suites baroques. C'est faire des suites de petites danses qui n'ont pas de lien entre elles et où on ne conserve que l'émotion. Donc, ça n'est pas, en effet, c'est pour ça que ça a été refusé par les éditeurs pendant 10 ans, parce que, et maintenant je suis tout à fait vengé, mais enfin, mais parce que ce ne sont pas des essais, il n'y a pas de thèse défendue, ce ne sont pas des romans du tout, ce ne sont pas des contes non plus, ce sont des petites, des petits marchés, des petites corbeilles, des bribes, des comme les collectionneurs ont, des petites collections, des petites listes, des petites choses, des résumés. Ça a été plus fort que moi. Et ce que n'aiment pas du tout les éditeurs, c'est le fait qu'il y ait 8 tomes. Là, vous les avez les 8. Voilà. Et je ne sais pas pourquoi, dans une époque où on veut que chaque livre soit un coup, soit unique et perceptible, pourquoi j'ai eu le besoin là de faire 8 tomes et de faire maintenant une nouvelle série avec Dernier Royaume, où il y aura aussi une dizaine de tomes, alors qu'il ne faut pas le faire. Je ne le fais pas par provocation. Je comprends. Je le fais parce que... C'est un besoin, c'est... Oui, c'est un besoin. D'avoir une chaîne de livres comme ça. Oui. Un peu, si vous voulez, pour prendre l'image qui serait la meilleure, serait comme sont construits autour du temps, par exemple, une ferme ou un petit ermitage. Une maison d'abord, une autre là. On va rajouter un petit pont ici. C'est construit comme ça. Vous voyez ? Et le dernier royaume, c'est quoi ? Ça, c'est les paradisiaques, c'est une partie du dernier royaume. C'est le cinquième tome. Sordicisme aussi. Oui, c'est le cinquième. On va montrer ici, c'est possible de montrer l'image. Les paradisiaques et sordicisme. C'est ici. Voilà. Où est-il ? C'est par ici. Voilà. Ça, le besoin, ça a été, comment dire, de... Comme une... Alors là, c'est tous les genres littéraires. Là, il n'y avait que des petites danses particulières. Et là, c'est de mêler, plus encore que les genres littéraires, c'est de mêler aussi le vrai et le faux. Je n'aime pas la biographie qui proteste de son existence, mais et je ne crois pas non plus en la sincérité. Mais lorsque vous
accepter de dire faux, de faire des petits romans, de faire des petits contes, de faire... surgit par le... Vous arrivez, comment dire, à crypter, c'est comme les actes manqués, vous arrivez dans ce cas-là à construire quelque chose que vous n'avez pas prévu. Mmh. Là aussi, c'est ça que j'ai cherché. C'est une œuvre, c'est un pèlerinage errant. Voilà, c'est très proche de ça. C'est la recherche du paradis perdu, peut-être ? Le paradis perdu, ce coin d'humidité et d'obscurité, étant, nous l'avons connu dans le ventre de nos mères. Donc ce n'est pas une recherche, c'est une façon de, comment dire, d'achever le perdu, de perdre volontairement ce que nous avons perdu involontairement. Et ce n'est pas trop mélancolique. Il y a une joie, comment dire, à être actif dans la perte du perdu. Accompagner la perte. Accompagner la perte. Ne pas la souffrir seulement, l'accompagner. Il y a un chapitre de « Tous les matins du monde », une scène du roman que vous avez supprimée dans le roman « Tous les matins du monde », mais qui est ici à Paris, que j'ai beaucoup aimé. C'est M. Vauquelin qui est en train de mourir. Il est tendu sur son lit, il est en train de mourir. Et il y a M. Sainte-Colombe, le musicien, qui vient l'accompagner, vient jouer une pièce de musique. Et il demande qu'une jeune femme vienne au lit. C'est une très belle scène, on va parler, mais je vous demande de la lire. Seulement le moment où la femme s'approche et M. Vauquelin lui dit « Approchez-vous encore de mon visage », demanda M. Vauquelin avec une énergie toute neuve. Elle fléchit davantage le genou, c'est ici. Comprenez pourquoi j'ai supprimé cette scène. Elle est belle, hein. Elle était trop audacieuse. Donc la jeune femme fléchit davantage les genoux, toujours agrippée d'une main au balustre. Plus près, répétait-il. On entendit des bruits confus. Il dit encore, comme c'est chaud, humide, vivant, odorant, doux. Telle était donc ma première maison, comme je t'ai aimé. Puis il repoussa Annette. Ça, c'est merveilleux, là. C'est l'adieu au monde. C'est le sexe de la femme, c'est le... Il y a une peinture, l'origine du monde, d'un peintre... De Courbet. C'est l'origine du monde. Pas l'origine des hommes, parce que le sexe des femmes n'est pas l'origine du monde. Oui, je sais. Par rapport au sexe, dans votre œuvre, il y a la sensualité, la violence, quelquefois, par exemple, je pense à La Frontière, mais il y a un certain refus du sexe comme la séparation. Le sexe et la séparation, le mot latin de sexus veut dire séparer. Lorsque le sector sépare précisément en deux parties égales, les hommes, les femmes, en faisant, pour parler comme les latins, des sectes, les sectes dérivent du secte, et plus jamais les hommes et les femmes ne peuvent se réassocier les uns aux autres. C'est quand même très violent. Mmh. Ça, on ne peut pas le cacher une seconde. Mais, sur les deux bords de la rive, sont éloignés, c'est vrai, mais on peut quand même se parler de rive à rive. Mmh. On peut quand même... pas tout comprendre, mais comprendre une partie de l'autre sexe, quand même. C'est ce que je... En ce moment, je suis... Si vous voulez, mon travail, par rapport, n'est pas aussi puritain que vous le laissez entendre. En ce moment, je suis en train d'écrire un livre où il y aura 300 images de scènes primitives. Et je l'ai écrit parce que j'étais aux USA il y a plus d'un an, lorsqu'est passée cette loi à l'unanimité contre les images indécentes. Et je me suis dit aussitôt, cet interdit va traverser l'Atlantique et atteindre la France très rapidement. Et il faut dans ce cas-là que je fasse mon recueil d'images de scènes primitives avant que ce ne soit plus possible de le faire. Donc si vous voulez, je suis aussi, comment dire, nostalgique d'une liberté aussi, des peintures et des gravures. Et je crains beaucoup de ce néo-puritanisme qui va venir, qui n'est pas propre à l'Amérique du Nord, mais qui va un peu s'étendre. Les religions deviennent aussi de plus en plus puritaines, de plus en plus voilantes. Mmh. Et je veux donc faire des scènes dévoilées. Il y a une nostalgie du primitif aussi, de retourner à une vie primitive. C'est pas le mot primitif. C'est un peu, je sais que le mot c'est... Ne me conviendrait pas. Si vous voulez, de même que sous la terre, le cœur de la terre, le fer bout, de même que sans cesse, par vagues successives, les volcans peuvent pousser, crever la mer, il y a donc quelque chose d'actuel en ce moment
le monde explose, la terre boue. C'est-à-dire, ce n'est pas donc primitif, c'est il faut rester toujours en contact avec cette poussée qui nous précède, qui est le Big Bang lui-même qui se poursuit, et ce soleil qui brûle, et cette lave qui monte. C'est rester actuel, mais dans l'état le plus archaïque de l'actuel. Vous voyez, il ne faut pas couper le lien avec ça. Mais nous l'avons coupé. Oui. C'est le drame d'Occident, peut-être de l'Europe, plus que de l'Amérique. C'est vrai. Plus en Amérique, que nous sommes plus liés à la terre et à la culture. Mais la culture doit maintenir ce lien. Mais ce n'est pas avec l'Europe, avec le béton, à presque caché la nature. Il faut... Avec le béton et avec la raison. Et avec la raison. Mais je ne suis pas non plus, comment dire, irrationnel. Mais je suis, comment dire... collectionneur de tous ces vestiges de la puissance de la nature. Je suis, et en vieillissant, de plus en plus contemplatif à l'égard de la beauté du monde. Vous écrivez dans une bibliothèque, un jardin. Vous pouvez écrire ou lire où ? Dès que je peux, et je cherche ces endroits chauds pour pouvoir le faire en Italie ou ailleurs, pour pouvoir lire sur une terrasse, face à la mer ou bien dans un jardin. C'est là où il y a un peu trop de silence dans la pièce de la bibliothèque. C'est un beau silence, mais un peu trop. Tandis... C'est le silence des livres. Oui. Mais je préfère quand même le bruit de la mer ou le bourdonnement de la lumière et du jardin. Qui est un silence quand même, il est plus souple. Vous dites que vous êtes très sensible à certains bruits, sons. Vous êtes si sensible que vous avez écrit, par rapport à la musique, un livre qui s'appelle « La haine de la musique » et « L'odio a la musica », qui est traduit au Chili à Héctor Andrés Bello. Voilà « La haine de la musique ». Qu'est-ce que c'est pour vous « La haine de la musique » ? Je suis d'une famille d'organistes pendant plusieurs siècles. Tous les quignards, une cinquantaine de quignards ont joué de l'orgue dans des églises, dans le Württemberg, en Alsace et en France. Lorsque les gens venaient prier à l'église, ils entendaient la seule musique de la semaine. Donc la musique surgissait et les bouleversait alors qu'il y en avait très peu. Et moi, la musique me bouleverse énormément. Mais la musique a ceci de redoutable, c'est que Elle vient d'un monde plus ancien que la langue. Nous avons été soumis à l'audition dès le ventre de nos mères et on ne peut pas y résister. On ne peut pas fermer les écoutes, on ne peut pas fermer les oreilles, on ne peut pas... Comme, nous n'avons pas de paupières. C'est le sens le plus sensible, où on est plus fragile, non ? Par rapport à la réalité. Le plus imprégnant, le plus... On est poreux, on est pure porosité à la musique. Alors quand de nos jours, la musique ne survient plus sur fond de rareté. Mais lorsqu'on va acheter à l'épicerie, il y a de la musique. Lorsqu'on va chez pour le gaz ou pour l'électricité, il y a de la musique. La musique, en devenant incessante, elle ne peut plus surgir. La haine vient de là. C'est la haine de cette tyrannie sonore. C'est pas la haine de l'émotion de la musique. Je comprends. Vous pouvez lire ce morceau qui explique et résume très bien ce que vous êtes en train de dire. Quand la musique était rare, sa convocation était bouleversante comme sa séduction vertigineuse. Quand la convocation est incessante, la musique repousse. Le silence est devenu le vertige moderne, son extase. Mais même si vous vouliez, il y a en effet dans les livres, pour le monde moderne, une musique presque neuve, tellement c'est rare. On accède en lisant à un repli du sonore en nous qui est une bénédiction. Mais c'est vrai ça. Il n'y a plus de silence, ou de moins en moins, le silence. Je ne sais pas comment font. Alors là, il y a un mystère pour moi. Je ne sais pas comment font quand je les vois dans le métro, dans les tous ces adolescents qui lisent en écoutant les deux en même temps. L'iPod, maintenant, en lisant. Parce que ça doit être difficile de mélanger les deux. Moi, je ne peux pas. Je ne peux pas lire. Je ne peux pas lire en écoutant quelque chose. Au début, c'était le silence plutôt que la parole. C'est-à-dire qu'au début, c'est très mêlé. C'est le bruit confus que peuvent faire les rythmes différents du cœur.
Non, le silence, ce que nous appelons le silence, c'est une invention du langage. Le langage a inventé un contraire en surgissant qu'il a nommé le silence. Et la musique, c'est un langage, mais c'est un langage qui ne cherche pas à avoir le sens du monde. Hein? Quelle est la différence par rapport au sens entre la musique et la langue? Ah, je pense que la musique, en effet, ne cherche pas, ne produit pas de signification. Mais elle a un sens. Si vous voulez, si je prends l'exemple de Schubert, Schubert est le seul homme sur Terre qui a dit quelque chose sur la détresse du tout petit quand il naît. Mmh. Il y a dans le Voyage d'hiver, enfin, tous les premiers sons, le désarroi du non-parlant au tout début de l'existence. Mmh. Il n'y en a qu'un qui a pu nommer ça, c'est la musique de Schubert. Donc elle pense un peu, mais elle pense à un monde antérieur au langage. C'est antérieur au langage. Et elle le pense sous le mode, en plus, de l'adieu. La musique pense tout sous le mode de l'adieu. Adieu à la fontaine, adieu au nuage, adieu à tout. Adieu à la femme, adieu. Et ne serait-ce que les opéras, mort, 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 mort. Vous êtes d'accord avec Nietzsche quand il dit que sans la musique, la vie serait une erreur? Que la musique à la vie serait une erreur. Peut-être qu'elle est une erreur. Mais sans la musique, ou sans la lecture, moi en tout cas, qui était un enfant fragile, si je n'avais pas pu me réfugier de mes frères et sœurs, tout le monde, si je n'avais pas pu me retirer dans un coin pour pouvoir me récupérer et lire, je crois que je me serais suicidé. Vous avez abandonné la musique pour la lecture. Comment ça se fait? Ce passage, la musique, je pense qu'il a un contact plus direct avec l'émotion. La lecture, mais comment abandonner la musique par les livres? Même vous aimez pas écouter la musique, vous allez pas au concert. J'ai lu là-bas dans un. J'en joue. Vous en jouez encore? J'en joue toujours. Oui. Qu'est-ce que vous jouez Alors, ce que je fais, c'est une technique pour paresseux, pour mauvais musicien, mais c'est une très bonne technique. Okay. Vous lisez la partition. Et vous laissez reposer comme un livre, et vous jouez ce qui vous est possible, ce que vous en retenez. D'accord. Et c'est assez beau, ça simplifie tout. Donc je suis quand même resté en lien avec la musique. Mais c'est vrai que les livres, sans que je le veuille, se sont mis à dominer ma vie. Mais je pense, c'est pas les livres, c'est la lecture. Je pense que la lecture est peut-être une façon moderne de faire de la musique, silencieuse. C'est la façon, en tout cas moderne, de faire de la musique qui ne gêne pas le voisin. Ah, d'accord. Et la lecture par rapport à la musique? Qu'est-ce qu'a la lecture qui n'a pas la musique? Qu'est-ce qu'on trouve dans la lecture qu'on ne peut pas trouver dans la musique? Le sens. Mais vous doutez du sens. Vous n'aimez pas que je vous ai lu. C'est pas le sens, en effet, ah ouais, que je trouve la supériorité de la lecture. Dans la lecture, et supériorité qu'il y a par rapport à la musique, mais qu'il y a par rapport au cinéma, ou qu'il y a par rapport à la télévision, c'est le fait de pouvoir accélérer, s'arrêter, reprendre. Lire est une tâche qui n'est pas organisée dans le temps. Vous avez là une possibilité, une liberté. Bien sûr, vous êtes passif à l'égard de l'histoire que vous lisez, mais vous pouvez revenir sur la page, vous pouvez vous arrêter. Vous pouvez verser une larme, reprendre, vous embêter et sauter au chapitre suivant. Il y a là une liberté, comment dire, de l'expérience. Vous pouvez tester votre expérience personnelle par rapport au contenu du livre avec toute la variété possible. Vous voyez, vous pouvez vraiment faire des fortissimos vous pouvez faire ce que vous voulez. Don Quichotte, c'est l'archétype de l'homme qui lit beaucoup, trop peut-être. Et il arrive même à regarder le monde seulement à travers les livres, les romans de chevalerie, les livres de cavalerie. Ça, c'est le péril de l'excès de lecture, du lecteur qui ne voit pas le monde, le réel, parce qu'il est isolé dans la bibliothèque intérieure, dans sa bibliothèque intérieure. Oui, c'est vrai. Non, c'est vrai. L'histoire du Quichotte est une... Est une
Mais d'une autre manière, le fait de ne pas lire vous laisse complètement, comment dire, submergé dans le monde comme si c'était un seul livre. L'avantage des livres, c'est qu'il y en a plusieurs. Le Quichotte aurait dû lire d'autres livres, il n'aurait pas dû lire que des livres de chevalerie, il aurait dû lire aussi Horace, aussi Quintilien. Et dans ce cas-là, son esprit aurait... En fait, il n'a pas lu assez. C'est le contraire. Oui. Il a fait une lecture restreinte, peut-être, spécifique. Il a été monomaniaque. Monomaniaque. Est-ce que vous pourriez nous ouvrir votre bibliothèque? Nous sommes dans votre maison. Où vous habitez, monsieur? Tout près de Mallarmé, qui vivait à Sens. Je vis à Sens. Donc, c'est à combien de Paris, Sens? C'est à 100 km de Paris. C'est l'ancienne capitale de France. C'est une très vieille ville. Et Mallarmé et sa sœur, dont il parlait dans le poème que vous avez lu, se baignaient. Je suis sur le bord de Lyon, des trois petites maisons sur le bord de Lyon, ils se baignaient là. Donc, voisin de Mallarmé, vous êtes. Voilà. Voisin de Mallarmé. Et de cœur, voisin aussi. Ah oui, de cœur, pourquoi? Parce que pour lui, la littérature, c'était quelque chose de grave, de vital et de grave, et que pour moi, c'est une chose de grave aussi. Je ne pourrais pas m'en passer non plus. Mais Mallarmé cherche un absolu. Un absolu dans la lettre, c'est une espèce de kabbaliste, Oui, mais il se détache du monde complètement, de la nature. L'azur, c'est le contraire de la réalité, de la nature, de ce que vous parlez avant. C'est l'essai d'arriver à une sorte de pureté, mais... C'est vrai, mais l'expérience qu'il a tenté de faire une espèce de torsion à partir de Wagner, de faire une sorte d'œuvre où tous les genres seraient mêlés, où la littérature serait extrêmement proche de la peinture et écrirait en effet une lettre absolue, est un mouvement qui reste très moderne. Ça n'est pas du tout quelque chose qui est une cabale, si vous voulez. Non, plutôt intensification. Et Rimbaud, vous aimez? Oui, c'est très différent. Alors là, Rimbaud et Mallarmé, c'est très différent. Je pense à Rimbaud, je l'associe à vous quand il dit « je ne sais pas parler ». Et lui, la fuite et l'errance, il avait quelque chose. Je crois que la première fois où est apparue l'expression de poète maudit, qui est une expression qui a eu beaucoup de succès ensuite... C'est Verlaine, peut-être ? C'est Verlaine qui l'a fait, mais je crois que pour deux, Rimbaud et Mallarmé. Donc, on reste dans une... moi, j'ai Dieu merci, pas du tout connu de malédiction, mais... Qu'est-ce que vous pensez du geste de Rimbaud, qui est encore un mystère, d'abandonner tout, laisser la littérature, la poésie, devenir un vendeur d'armes en Afrique, et le silence? La maladie dont il est mort crée la légende. Mais on ne sait pas... Je ne peux pas... Comment dire? L'œuvre s'arrête dans le cas de Rimbaud. On peut prendre peut-être... Je ne suis pas un romantique. Je ne sais pas comment vous exprimez la chose. Je suis beaucoup plus proche de Mallarmé dans ce cas-là. Vous êtes un classique? Non, je suis pas... Comment? Non. Classique, ça veut dire qu'on peut plaire au goût dominant. Je n'ai jamais cherché la preuve, j'ai eu beaucoup de mal à publier. Oui. C'est pas du tout... je ne cherche pas... Mais vous êtes plus proche de quoi? Du point de vue des écoles littéraires, du baroque, de quoi? Saint-Jean de la Croix, par exemple. Ah, Saint-Jean de la Croix. Là où l'expérience intérieure, ou Georges Bataille, pour prendre... Là où l'expérience intérieure est très importante et où je veux comprendre quelque chose à ce que je ne comprends pas du monde. Ah, et donc, ma vie, tout est lié. Ça, je me sens très proche de ça. Je ne m'enfouis pas derrière des livres, j'explore avec des livres. Faisons un petit voyage dans votre bibliothèque. Nous sommes à... Sens. À Sens. Comment est votre bibliothèque? Vous la décrire? On s'imagine la bibliothèque Pascal Quignard, c'est une bibliothèque gigantesque, un labyrinthe, etc. C'est l'image que nous... Il y ait beaucoup de livres, oui, mais elle est assez désordonnée. Et mais je sais un peu... Son classement est séculaire. Je connais tout dans l'ordre du temps. Je n'ai pas besoin d'un autre... et elle ne cesse
de ne pas contenir le livre que j'y cherche. Ça ne marche. Quel livre vous cherchez ? Celui qui est urgent pendant la phrase que j'écris. Ah, ça me fait penser à quelque chose. Et malheureusement, elle n'est pas assez ordonnée pour ça. Mais quel est le livre que vous y cherchez à écrire ? Je pense que tout écrivain a un livre, une utopie, je ne sais pas comment dire, un livre impossible ou un livre désiré, comme le livre de Mallarmé, non ? Quel est votre livre ? Ah, moi, je pense que c'est Dernier Royaume. Ah, d'accord. Je crois que je l'ai. Je crois que je l'ai. C'est un livre vraiment omnivore. Omnivore. C'est quelque chose où qui ne laisserait rien de côté. Qui en plus, pour prendre la définition d'un romancier romain, c'est le livre qui, comment dire, collecterait tout ce qui est tombé. Ah, c'est ça. Pas du tout ce qui parlerait pour aider les puissants. C'est tout ce qui serait tombé, toutes les victimes, tous les déchets. Par exemple, si vous voulez faire une petite liste. Des ordures de ce monde, toute la sexualité, c'est ce que je ramasse en faisant ce livre sur toutes les scènes mondiales. J'en ai trouvé une 300, plus belles les unes que les autres, de nuits sexuelles, de nuits primitives. Bon, personne n'a fait ce livre sur la scène primitive. Je ramasse et je le fais. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça, voilà un déchet qui n'a pas été fait. Les musiciens qui n'étaient pas connus, comme Sainte-Colombe, ou comme... J'ai essayé de faire revenir les écrivains, de même, les à part Colette, grand écrivain, il n'y a pas beaucoup dans notre littérature, je parle des Français, d'écrivains sensoriels qui font revenir tous les objets, les petites voitures, tous les bonbons, toutes les choses pas dignes, je les ai fait revenir. Il y a peu d'écrivains sensoriels, c'est ça que je comprends. En France. En France, c'est ça pourquoi ? Peut-être, quand vous aviez tout à l'heure parlé de raison, peut-être qu'en effet, il y a là un parce que ça leur semble sans doute pas très noble de parler de... Moi, j'hésite pas, par exemple, dans mes romans, à multiplier les repas et à faire manger. Je sais pas, que j'ai un plaisir fou à donner mes choses préférées. Mais habituellement, dans les romans, on y mange peu. On va, et je ne parle pas des autres besoins qui ne sont jamais assouvis dans les romans. Mais Proust, il y a la sensorialité à Proust, non ? Non, pardonnez-moi, quand je disais Colette, mais Colette et Proust, vous avez raison. Ben non, tout à fait, oui. Alors, nous sommes au centre de votre bibliothèque. J'imagine que j'y trouverai les essais de Montaigne. Mais j'ai acheté hier. Pas aussi belle édition que j'ai vous acheté avez. Hier. Vous j'ai acheté faites, hier. Vous me faites envie, là. Ah, c'est belle. C'est la dernière édition. Hein. Ouais. On commence à... C'est bien, il y a une nouvelle édition de Montaigne. Pourquoi Montaigne peut être un contemporain ? Pourquoi maintenant c'est Montaigne qui revient ? Parce que, moi, je j'admire énormément. Parce que en période de guerre civile et en période de peste, parce que nous aussi nous avons notre SIDA ou la guerre un peu mondiale errante, cet homme a trouvé une réponse qui est un peu de l'ordre de la fuite parce que c'est une tour, mais c'est une réponse modeste et sans mépris. Il a essayé, comment dire, comme un vrai renaissant, de rester du côté de la naissance, de rester du côté du vivant, et d'essayer de repenser le monde individuellement. C'est-à-dire, quand je dis individuellement, comme le disent tous les romanciers, ça veut dire pas du tout de façon générale, pas du tout comme un prophète qui veut commencer, qui veut relancer une nouvelle guerre civile, mais comme quelqu'un qui modestement, essaie de récapituler le peu qu'il est possible. Et dans ce cas-là, je suis un disciple de Montaigne. Il y a un essai ou un écrit de Montaigne que vous aimez beaucoup, peut-être, vous vous souvenez ? Ah, là, je vous promets qu'il y a vraiment tellement de merveilles que là, vous me... Non, je ne sais pas. À l'hasard, je prends cette page. Que philosopher, c'est apprendre à mourir. Dit Montaigne, Cicéron dit que philosopher... Ce n'est autre chose que s'apprêter à la mort. C'est d'autant que l'étude, c'est le français, et la contemplation retirent aucunement notre âme hors de nous. Est-ce que écrire, c'est apprendre à mourir aussi ? Ou c'est le contraire ? C'est plus profond dans le cas de Montaigne, dans la mesure où c'est parce que son ami est mort qu'il veut apprendre à mourir, ne serait-ce que pour l'accompagner. Ah, d'accord. Sans ça, moi, on pourrait très bien dire aussi que écrire cherche à vivre. Enfin, c'est une façon de
de thésauriser le maximum du vivant et du beau sur Terre. Blaise Andrard, un poète français, disait le contraire. Et écrire, c'est abdiquer de la vie. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Ah non. Non, je ne parle pas de Andrard, parce que je ne sais pas pour quelle raison il disait ça. Je ne crois absolument pas qu'écrire, c'est abdiquer de la vie. Pas du tout. C'est une manière de vivre. C'est une erreur de croire que celui qui ne semble pas très vivant, en étant assis dans son coin, dans son jardin, ne mène pas une vie ambitieuse. Que même que, par exemple, que Bach, seul, toujours enfermé sur le bord d'une table en train de composer, ne mène pas une expérience intense et en plus extraordinairement presque divine. Donc non, abdiquer, je ne sais pas du tout comment. Ce sont les écrivains qui n'ont pas mis le cœur de leur vie dans l'arbre en question. Il faut savoir placer aussi son cœur. Quel écrivain n'a pas mis son cœur? Un exemple pour tous ceux qui appartiennent aux académies. Tout ceci. Revenons à la musique, revenons à Tous les matins du monde. Au Chili, ce film, ça s'est bien passé. Il y a beaucoup de monde qui a cherché votre livre. C'est vraiment, nous avons un grand souvenir du film et de votre livre, Tous les matins du monde. Et on va écouter la musique du début du film. Et vous allez en parler de... Ce que je ressens, c'est je ressens l'émotion du film qui a ajouté énormément au livre qui n'avait pas de musique. L'autre point, là, c'est que comme... Et là, si j'ose dire, c'est le début du film, ça n'est pas la musique de Sainte-Colombe. Et la musique de Sainte-Colombe que j'ai, avec Jordi Savall, essayé de faire reconnaître, est une musique savante très difficile, mais très belle. 100 ans avant Bach, les œuvres de Sainte-Colombe sont très écrites et très très belles. Bon, ça, c'est... Vous ne pouvez pas savoir quel est le plaisir qu'il y a pour un écrivain de savoir qu'il sert à quelque chose, pour faire revenir un mort. Pourquoi vous avez fait revenir ce mort, Sainte-Colombe? Qu'est-ce que vous attirez de Sainte-Colombe? J'ai beaucoup aimé cette petite histoire. On ne sait pas grand-chose de Sainte-Colombe. On sait qu'il avait inventé une corde grave, qu'il avait ajouté une corde grave à la viole, la corde la plus grave. Il y a déjà une tristesse assez belle dans ce détail. Qu'il avait deux filles et qu'il épiait la musique de son maître, que Marin Marais l'épiait pour lui voler sa musique. Il y avait quelque chose dans cette musique, c'était quoi là? Attendez, je vous dis juste la dernière, point qui m'a le plus plu, c'est que là, il refusait, sans doute pour des raisons, parce qu'il était protestant, je ne sais quoi, il refusait d'aller à la cour. Ah, c'est incroyable. Et ça m'a plu énormément. Moi qui, à l'époque, étais malheureusement un peu à la cour, puisque je fondais, je faisais revenir la musique baroque à l'époque avec... mon ami Bossan, et qu'avec le président Mitterrand, il m'avait confié le palais de Versailles pour faire des festivals de musique baroque. Bon. Donc, vous étiez à la cour, en pleine cour. À la cour du roi Mitterrand. Voilà. Et pour une très bonne cause, qui était le retour de la musique baroque. Bon. Et reprendre cette figure-là m'a plu pour... pour reprendre l'image que vous preniez au début du cerf qui s'enfuit, de Sainte-Colombe, le musicien qui ne voulait pas aller à la cour. Je vous fais la typique question qu'on a fait que Flaubert s'est fait à soi-même. Est-ce que M. Sainte-Colombe, c'est vous? Je suis tous ceux que j'ai fait, mais à la différence de Flaubert, j'ai tellement de moi, d'ego, j'en ai tellement peu, que je suis à peu près tout. Et Marin Marais? Marin Marais, le livre que j'ai écrit, enfin cette intrigue que j'ai écrite, est très injuste parce que c'est de la musique très bonne.
C'est pas aussi difficile que Sainte-Colombe, mais il y a quelque chose d'injuste dans le dans l'usage que j'en fais, puisque j'oppose comme ça un musicien de cour, et Marin Marais avait beaucoup plus de valeur qu'un musicien de cour, et puis un musicien austère, et ça c'est vrai que Sainte-Colombe, il fallait le faire revenir. Mais Marais était connu déjà. Il y a un dialogue très beau entre, à la fin du livre, entre Sainte-Colombe et Marais. C'est Marais qui arrive, qui touche la porte de Sainte-Colombe. Il l'ouvre et il dialogue. On pourrait chercher peut-être à lire un morceau de ce... Il cherche quelle est la nature de la musique. Uh-huh. Et à chaque fois, comment dire, Marin Marais... et à la fin de ce dialogue, je vais regarder, mais je ne veux pas... Je crois qu'il est assez long. Il est assez long dans le film. Seulement. Il est assez long dans le film. Mais finalement, la musique est là. Je vais lire la fin comme une sorte d'adresse. Ce que j'appelle l'adieu pour Schubert. Uh-huh. C'est ça qui serait le sens de la musique. Il y a un secret à Sainte-Colombe, le secret. Vous parlez du secret aussi dans l'écrivain. Il y a toujours un secret qui est caché, un énigme. Mais alors là, vous parlez d'un problème dans lequel je suis absolument plongé parce que je n'ai pas du tout trouvé. Il y a de toute façon, il n'y aurait pas eu la Seconde Guerre mondiale, nous ne connaîtrions rien de Sainte-Colombe. Ah oui? Non, il n'y avait pas, il n'a jamais voulu être publié. Uh-huh. Et le mystère que je me pose de plus en plus maintenant, c'est la même chose, par exemple, pour l'œuvre de Froberger, qui a été publiée contre son 50 ans après sa mort. Mais pourquoi tous ces musiciens ne voulaient à aucun prix être publiés? C'est très curieux. Si bien que ce sont des copies, le hasard des temps, en trichant, on copiait leurs œuvres. Tout le monde n'était pas capable, comme Mozart, de copier, de restituer après avoir entendu la pièce qu'il avait entendue. Donc le mystère, c'est pourquoi ces œuvres. Vous avez une hypothèse? Ben, je resterai un petit peu dans une peut-être dans une vision assez proche de Saint-Jean de la Croix ou d'autres, qui serait que ce contact de leur œuvre est adressé en effet pas au roi, pas à la société, dans les textes que l'on, mais qui serait adressé à leur propre expérience directe entre eux-mêmes et Dieu. Quel est votre je ne sais pas. Je l'ai fait parler là. Quel est votre rapport avec Dieu ou les dieux? Le divin, Il est aussi compliqué qu'avec le langage, puisque les langages sont les dieux. Il n'y a pas de dieu sans langage. Finalement, Dieu est soit l'oreille au langage, dans la prière, soit c'est le langage lui-même, comme chez les chrétiens ou dans l'Évangile, qui dit que le langage c'est Dieu, que le verbe c'est Dieu. Et comme je préfère donc un monde plus vaste où le langage n'a que sa petite proportion, mais où la nature est plus grande, mon rapport à Dieu, je crois qu'il ne soit très proche de celui de Spinoza. Quel était le rapport de Spinoza avec Dieu? Très critique, un peu absent. Beaucoup. Dieu était pour lui beaucoup moins important que la nature. Et même pas un Dieu absconditus, Deus absconditus? L'absconditus, oui. Mm-hmm. Peut-être pas Deus, mais absconditus, oui. Il y a ce Dieu-là, oui. C'est celui qui serait bien antérieur, dans ce cas. C'est ce secret que nous... Il ne nous est pas dévoilé, puisque nous sommes les seuls qui nous procédons d'une scène, la scène qui nous a faite, nous ne la connaîtrons jamais, puisque nous en sommes les fruits. La scène sexuelle qui nous a faite nous échappe à jamais, c'est l'inconnu, c'est l'absconditus, et que nous ignorerons toujours la scène qui nous annulera. Nous sommes donc vraiment pris entre deux secrets, chacun d'entre nous. Là, en effet, l'absconditus existe. Est-ce que écrire, c'est une forme de prier ou de faire un appel à quelqu'un? Et je parlais avec M. Nancy, Jean-Luc Nancy, le philosophe. Il me disait que philosopher, pour lui, c'était faire un appel. Et que lire la philosophie, c'était accueillir cet appel. Ce que j'aime beaucoup, Jean-Luc Nancy. Hein? Donc, je retirerai juste la phrase, le fait de dire que la philosophie est dans cet esprit. Je pense que le fait d'écrire silencieusement lance un appel muet, ça c'est tout à fait vrai. Que l'on puisse dire la littérature c'est ceci, la philosophie c'est cela, je n'y crois pas, là je suis trop littéraire, parce qu'on ne va pas se mettre, comment dire, à ordonner, à l'interrogation, on ne va pas donner un sens à l'interrogation.
le fait d'écrire comme ça, c'est adressé. C'est très mystérieusement adressé, parce que c'est pas adressé aux vivants. Mmh. Moi, je sais qu'une part de mon adresse à moi, qui était élevée dans des problèmes difficiles et de silence quand j'étais petit, et ma grand-mère m'avait recueilli. Et je sais que le regard très sévère de ma grand-mère, qui est morte depuis longtemps, appartient à ce à quoi est adressé ce que je fais. Pascal, nous avons une minute pour finir. Alors, pour terminer, qu'est-ce que vous voudriez lire pour faire cet appel au lecteur chilien parmi les textes que nous avons ici à table? C'est à vous de choisir. Je vais prendre... Il y a une phrase là. Hein? Ah, elle est curieuse. Mais pourquoi pas? Nous dépendons de nos lieux plus encore que de nos proches. On dépend plus de la nature encore que de notre existence. Pascal Quignard, je vous remercie beaucoup de cette conversation, de cette approche. Nous vous invitons à aller au Chili. C'est moi qui vous dis merci. Alors là, je veux bien. Là, je veux bien. Pèlerinage. Le pèlerinage, l'errance au Chili. Merci beaucoup. Merci. Televisión Nacional de Chile y su área deportiva presentan Fútbol Italiano, Inter versus Milan. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Tenemos la hora justa, 12:30, 12:31. Y tenemos la suerte nosotros y ustedes de ver el gran clásico del fútbol italiano. El clásico de la ciudad de Milán, donde el Inter hace de local en esta oportunidad de frente al Milan por la 17ª fecha de la primera rueda. Un estadio que tiene capacidad para 85.700 espectadores en una ciudad de 1.300.000 y tanto y un poquito más habitantes. Todo muy espectacular, solamente que el tiempo, Fernando, está muy malo en Europa, hace mucho frío y se va a relatar, por cierto, Fernanda Solabarrieta. ¿Cómo estás, Sergio? ¿Cómo hola, le va? Hola, Fernández. Buenas tardes. Un gran clásico en fin de semana de clásicos, porque a continuación, en un ratito más, van a jugar el Real Madrid y Barcelona en España. Así es que en Europa están enfocados todos en estos dos encuentros, el gran clásico milanista entre el Inter y el Milan y lo que va a suceder también en España. Pero en este partido hay varias cosas muy importantes. En primer término, que desde 1909 hasta ahora hay un empate perfecto en cantidad de partidos oficiales, no así en partidos de liga, porque en partidos de liga la supremacía es del Inter, con 60 triunfos sobre 56 del Milan, pero en todas las confrontaciones por puntos hay una absoluta igualdad en cantidad de victorias, por tanto este es para los italianos el clásico del desempate entre Inter y Milan. Y Sergio, no son pocos los partidos que han jugado ahí, realmente increíble. Vamos con las alineaciones, Fernando. ¿Cómo no? Un escenario, una ambientación muy navideña para este partido. Julio César será el portero del Inter. Maicon, Córdoba, Samuel y Maxwell. Zanetti, Cambiaso, Kibu, el rumano. Y Jiménez aparece como titular en el enganche. Julio, Ricardo Cruz, el jardinero. Y Zlatan Ibrahimovic, el sueco en delantera. Roberto Mancini es el técnico que estará junto a Burdizzo, Materazzi, César, Pelé, Suazo y Crespo, vaya, los hombres que iban a la banca. Vaya banca, un montón de internacional, estadio muy hermoso. Aquí está el Milan. Condida, Odo, Nesta, Calazze y Maldini. Gattuso, Pirlo, Ambrosini y Kaká. Clarence Seedorf acompaña en la salida al brasileño. Y Filippo Inzaghi es el único hombre punta de Carlo Ancelotti, quien en la banca se sentará con Kalak, Bonera, Cafú, Serginho, Brocchi, Emerson y Gilardino. Ahí Cafú, Emerson, han sido seleccionados, en fin. ¿Para qué hablar de los nombres, los apellidos, el peso de la gente que integra ambos elencos? Acá salen juntos y no pasa nada. Termina el partido y se van juntos. Capitán, ahí está, por cierto, Paolo Maldini.
ovacionado. Que encabeza la hilera de sus compañeros que son recibidos con honores por sus rivales, por el Inter de Milán, saludándolos como los campeones del mundo tras su victoria frente a Boca en el Campeonato Mundial de Clubes. Y eso que el Inter está invicto. El Inter es un caso fantástico en el fútbol. Fíjese, fue campeón la temporada pasada y perdió un partido. Y ahora no ha perdido ninguno. O sea, tiene una seguidilla impresionante. Vamos entonces con lo que van a dirigir la brega. Ahí está don Emidio Morganti, de 41 años. El número uno es Romagnoli, Roberto Romagnoli. El número dos es Nicoletti. Nicola Andrea Nicoletti. Y el número 4, el árbitro, es Paolo Silvio Mazzoleni, de muy joven, de 33 años. Se saludan, el estadio está absolutamente lleno. Este clásico se ha jugado mil veces, pero mil veces, un millón de veces, despierta el entusiasmo del público. Esperemos que sea una buena actuación. Digamos que el Milan está mal ubicado en la tabla, pero hay una... Pero es el Milan. No, le faltan 3 partidos. Además, sí. Tiene 3 partidos pendientes con el... los partidos pendientes que tiene. Lo tiene y de visita. Con el Atalanta y con el Regina de visita y con el Livorno local. Esos 3 partidos están pendientes por uno u otro motivo. Ya saca la publicidad, se retira todo. Por la Serie A se han enfrentado en 168 oportunidades, 60 triunfos para el Inter, 52 empates y 56 triunfos para el Milan, 244 goles para Inter, 230 para Milan. Pero decíamos que, agregando a estas confrontaciones de Serie A, partidos por la Copa, partidos internacionales, todos los partidos por puntos sumados, el empate es absoluto. Este es el clásico donde se puede quebrar la historia. Romper la igualdad. Es como un milagro eso que está contando Fernando. Digamos que los dos técnicos son famosísimos exjugadores. Tanto Mancini como Angelotti son jugadores de gran recorrido. Ya vamos a hablar algo de esto porque hay un minuto de silencio por algo que ya contamos ayer. Murió un chico de 18 años que era árbitro de inferiores y hay, en honor a él, en recuerdo a él, este minuto de silencio. Escuchemos, entre comillas, el minuto. No se portó bien el público. Más o menos nomás. Más o menos nomás. No guardó la compostura de vida. La cancha ha estado mucho frío en Europa. Ahí está el luto que llevan todos los árbitros en esta fecha en Italia, en homenaje a un chico de 18 años que tiene que haber tenido una vocación fenomenal. Porque cuando uno...